sabes de mí, si he pasado esta prueba de tu amor. Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No, no vayas presumiéndolo, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor, que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Tout serait tellement plus facile si on récupérait le dernier testament de Benjamin Almonte. Mais ce soi-disant Sandro a disparu d'Aguasul avec le document. Depuis qu'il m'a téléphoné pour me dire qu'il allait me le donner, je n'ai plus du tout eu de nouvelles de lui. Il ne répond plus à mes appels, rien. Si on ne retrouve pas ce testament, bien, Alessandro ne pourra jamais laver son nom de la honte. Moi, la dernière chose que j'ai entendue à propos de ça, et je veux pas faire de commérage, vraiment, c'est juste pour vous aider, c'est que c'est votre mère qui l'aurait. Ma mère? Oui. Est-ce que vous êtes sûr de ça? Oh, oui. Alors mieux vaudrait aller tout de suite parler à votre maman, sinon ce morceau de papier pourrait tomber dans les mains de quelqu'un d'autre. Ouvrez cette cellule, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Tu as de la chance. Le juge Esperon a ordonné ta remise en liberté. Ce n'est que justice. Je n'ai commis aucun crime. Je continue de croire que c'est toi qui as tiré sur Montserrat il y a 7 ans. Dommage que tu n'aies pas le moyen de le prouver, tu ne crois pas? Fais très attention à tes faits et gestes, d'accord? Parce que je vais te surveiller. Écoute bien. N'essaie pas de faire du mal à Montserrat, sinon je te tuerai. Comment ça? Le chef de la police menace de me tuer? Tu outrepasses tes pouvoirs, José Luis. Fais attention à ce que tu dis. Tu pourrais être suspendu. Tu as bien entendu ce que je t'ai dit? Et je le maintiens. Si tu touches un seul cheveu de ma femme, je te tue. C'est compris? Je n'ai pas peur des menaces d'un lâche. Chut, chut, chut. Ne me provoque pas. C'est une vérité qui n'est pas bonne à entendre. Tu es un lâche, monsieur le policier, pas un vrai homme. Je suis un lâche, moi, hein? Je ne suis pas un vrai homme, moi. Ne me fais pas regretter de ne pas t'avoir tué. Quand j'en ai eu l'occasion, ne me le fais pas regretter. Ça... ce n'est qu'un avant-goût de ce que c'est faire une vraie femme. Allez, viens, sors d'ici. Oh, qu'il est méchant! Je voudrais savoir quelque chose avant de partir. Qu'est-il arrivé à Monsieur Medina? On l'a arrêté? Pourquoi tu demandes ça? Tu sais quelque chose? Il est mort. Mort, tu dis? Non, je ne sais pas, mais maintenant que ce type est sous terre, nous allons tous pouvoir vivre plus tranquillement. Merci, beau gosse. Oh.
Pourquoi c'est toi qui viens ouvrir? Tu n'as pas de personnel pour ça? Ricarda a dû partir pour des raisons qui me dépassent un peu. Comment ça, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui t'arrive, Amelia? C'est bizarre, tu t'intéresses à l'une de mes employées qui n'est plus là pour t'ouvrir, et pas à moi. Tu sais très bien que ce n'est pas vrai, Fabiola. Bien sûr que si, je m'intéresse à toi, peut-être plus que tu ne crois. Tu as oublié toutes ces années où nous sommes venus, méfiez-moi, te rendre visite à Miami. Quand on te sortait de l'orphelinat, que tu passais plusieurs jours avec nous et qu'on se retrouvait comme une famille, tu étais très heureuse. Est-ce que tu crois que je vais te remercier pour ta charité? Non, Amelia, tu as fait ça par culpabilité et par-dessus tout, par pitié. Je t'ai supplié. Je t'ai imploré de partir tout de suite d'Agua Azul avant que tout dégénère et qu'il soit trop tard. Tu avais si peur que ça, que ton mensonge puisse être découvert? Non, non, ce n'est pas pour cette raison. Je voulais que tu partes d'Agua Azul pour te protéger. Parce que je ne voulais pas que tu découvres que Graciela était ta mère. C'était ça la raison. Pourquoi tu ne voulais pas? Parce que c'est une perverse, une vicieuse qui peut te faire beaucoup de mal. Fabiola, elle va te prendre ton argent. Et après, elle te mettra un coup de poignard dans le dos. Je la connais très bien, mieux que quiconque. Tu sais, ma mère, l'argent ne l'intéresse plus du tout. Tout ce qu'elle veut maintenant, c'est être avec moi. Elle veut apprendre à me connaître, pour que nous soyons amies toutes les deux. Non, Fabiola. Écoute-moi, s'il te plaît. Ce n'est pas vrai. Graciela est la reine de l'hypocrisie. C'est une menteuse née. Ne crois jamais rien de ce qu'elle te dit, de ce qui sort de sa bouche, d'accord? S'il te plaît, je t'en supplie. Celle que jamais, jamais je ne croirai, écoute-moi bien. Celle en qui je n'ai pas confiance, c'est toi. Toi, toi qui m'as toujours menti. Je ne te pardonnerai jamais, Amelia. Tu m'entends jamais. Quand ce document sera révélé au grand jour, je pourrai enfin offrir à ma princesse le bonheur qu'elle désire tant. Mais en même temps, devinez quoi? Cela pourrait détruire ma chère Fabiola, parce qu'elle serait accusée de fraude et emmenée directement en prison. Vous savez pourquoi? C'est bien Fabiola qui a remplacé le véritable testament par un faux pour pouvoir récupérer la fortune d'Alessandro. En d'autres termes, si je protège Fabiola, je provoque le malheur de Montserrat, et si j'aide Montserrat, je détruis celle que vous étiez censée avoir enterrée. Toutes deux sont mes filles, Macario. Toutes deux ont souffert d'un destin vraiment plus qu'injuste. À toutes deux, j'ai fait énormément de mal. Je prie le Seigneur pour qu'il me conseille. Parce que je ne pourrais pas les sauver toutes les deux. Une petite seconde. Entrez, je vous prie. C'est toi, ma chérie? En voilà une surprise, je n'attendais pas de visite de ta part. Je suis inquiète, maman. J'ai besoin de parler avec toi. Tu sais bien que... Malgré le fait que tu me rejettes... Je suis ta mère, Montserrat, et que je t'aimerai toujours. Toujours. Je serai toujours là pour toi. Est-ce que c'est vrai que tu as le dernier testament de Benjamin Almonte? Qui t'a dit ça? Macario. Petit paysan, mais grand faiseur d'histoire. Est-ce que tu l'as ou pas? Oui, Montserrat. C'est Sandro Narvaez qui me l'a donné il y a quelque temps avant de quitter définitivement Agua Azul. Mais il voulait me le donner à moi, maman. Oui, mais je l'ai convaincu de ne pas le faire, Montserrat. Mais pourquoi? Pourquoi tu le voulais? Pour le détruire en tant que preuve ou pour continuer à nous faire du mal? Comment peux-tu penser une chose pareille? Je ne vais pas le détruire, ma chérie.
Tu n'as pas oublié qu'Alessandro a promis de te céder la totalité de sa fortune dès qu'il l'aura récupérée. Cet accord passé avec lui est tout à ton avantage. Parce que la seule raison pour laquelle Alessandro a besoin de ce testament, c'est pour prouver son innocence. Je crois que tu te trompes, ma chérie. Il y a beaucoup de choses plus importantes encore que l'argent. Je sais qu'en te donnant ce testament, je peux faire de toi une personne heureuse. Mais en faisant ça, je détruirai la vie d'un de mes enfants. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Dimitrio n'a rien à voir avec ça, maman. Je ne te parle pas de Dimitrio. Je ne comprends pas. Que dites-vous, amiral? Pedro Medina est mort. Pour l'instant, nous n'en sommes pas complètement sûrs. Mais tout semble indiquer qu'il a été tué dans sa propre maison et qu'ils se sont débarrassés du corps. La police, avec l'aide de la marine, fait des recherches pour voir s'il a été enterré dans son jardin. En même temps, nous avons mis des barrages sur toutes les routes. Nous avons alerté les hôpitaux, les aéroports aussi. Donc si Pedro Medina est vivant, il ne nous échappera pas. Vous n'avez encore aucune nouvelle de lui? Non, aucune encore pour le moment. Écoutez, amiral, si j'apprends quelque chose, vous pouvez compter sur mon entière coopération. Je n'en espérais pas moins de vous, Ezekiel. Et mon immunité? J'attends toujours, amiral, et vous n'êtes pas du genre à ne pas tenir votre parole. Le problème a été résolu. Parfait. Cela étant, je ne pourrai vous la donner que si vous remplissez 3 conditions. Non, excusez-moi, amiral, mais ça n'a jamais fait partie de notre accord. N'oubliez pas. Vous devez révéler l'identité du scorpion. Je vous croyais plus perspicace, amiral. Pedro Medina et le scorpion sont une seule et même personne. Vous avez des preuves de ce que vous avancez? Non. Non, mais si vous vous souvenez, Monsieur Medina affichait tout le temps son surnom avec le pendentif qu'il portait autour du cou. Donc j'ai déjà rempli la première condition. Quelle est la deuxième? Je ne veux pas que vous trompiez Carlotta. Quoi? Non, ma vie privée n'a rien votre à voir femme, avec Carlotta. Est la sœur d'un grand ami à moi. Je ne tolérerai pas qu'elle reste mariée à un criminel comme vous. Je vous demande donc de lui dire qui vous êtes réellement, sinon je lui enlèverai moi-même le bandeau qu'elle a sur les yeux. Est-ce que je peux savoir quelle est la troisième et dernière condition? Pour que vous m'accordiez l'immunité, amiral. Vous devez démissionner. Vous devez démissionner de vos fonctions de premier magistrat d'Aguas. Je peux accepter beaucoup de ce que vous me demandez, sauf perdre ma place de maire et mettre en l'air ma carrière politique. Si vous n'acceptez pas ce que je vous demande, demain vous dormirez dans une des cellules glacées de la prison. C'est vous qui décidez de ce que vous préférez. Bonne soirée, Ezekiel. Si tu pouvais savoir ce que j'ai pu prier le Seigneur pour qu'il me serve de guide, mon Sarah. Pour qu'il me montre le chemin de la décision que je devais prendre. Tu es ma petite fille, chérie. Celle que j'adore. Je t'aime de tout mon cœur, même si tu ne le crois pas. Mais il y a aussi mon autre fille qui a grandi dans la solitude, complètement abandonnée. De qui est-ce que tu parles, maman? De la fille que j'ai eue avec Benjamin Almonte. Mais tu m'as dit que le bébé était mort dans tes bras. Ma fille est vivante, mon Sarah.
Tu as une demi-sœur, ma chérie. C'est quoi ces imbécilités, ce maman? Ce ne sont pas des imbécilités. J'ai appris il n'y a pas 15 jours qu'elle existait. Oui. Fabiola Guilaine est ma fille. Maria? Qu'est-ce que je t'avais dit? Ils m'ont libérée ce matin. Tu es contente de me voir libre? Bien sûr que oui. C'est une super nouvelle. Non, la super nouvelle, c'est que Monsieur Medina est mort, Adolfo. C'est toi qui l'as tué, c'est ça? Oui, Maria. Ce bandit va enfin brûler en enfer. Je savais que tu le ferais pour me protéger. Non, je ne l'ai pas fait uniquement pour toi. Je l'ai fait pour moi. Je l'ai fait pour Nadia et pour sa fille, pour que le cauchemar qu'elles vivent se termine enfin. Oui, je sais. Qu'est-ce que tu as fait du corps? La police le cherche en ce moment. Qu'est-ce que tu racontes? La police n'a pas trouvé le corps de Pedro? Non. José Luis m'a dit qu'il le recherchait. Je ne me suis pas débarrassée du corps, Maria. Je l'ai laissé sur place dans le salon pour que la police et la marine le trouvent. Non, c'est pas possible, attends. Tu veux dire qu'il n'était pas là-bas? Non, apparemment il n'y était pas. Il a survécu. Oh, Pedro est vivant. Ta fille? Ma fille? Fabiola? C'est pas possible. Si, ils me l'ont prise. Mon sera. Ils m'ont fait croire qu'elle était morte. Mais qui est-ce qui t'a fait cette ça? Cette petite peste d'Amélia et ce paysan qui travaille pour toi, Macario. Elle me l'a volé, l'a emmené loin de moi, alors que Macario m'assurait que... qu'elle avait eu un enterrement chrétien. Mais ce qu'ils ont enterré, ce n'était pas mon bébé chéri. C'était un sac de pierre. Fabiola est ta fille? Je ne peux pas le croire, non, je ne peux pas le croire. Si vous vouliez que toute ma vie je paie pour le mal que selon toi et ton frère je vous ai fait tous les deux. Vous pouvez être content maintenant. Parce que je paie déjà pour ça. Si je comprends bien, tu vas lui donner. Il n'y a pas de doute, tu vas donner le testament à Fabiola pour qu'elle ne finisse pas en prison. J'ai été obligée de faire un choix, alors je l'ai fait, ma chérie. Entre elle et toi. Entre ton bonheur à toi et son manque de chance. J'ai déjà pris ma décision. Et j'ai décidé de te le donner. Après ça, j'espère que tu ne douteras plus de l'amour que je te porte, mon Serra. Pour t'aider à t'en sortir. Pour que tu puisses revivre dans le mariage avec Alessandro. Je vais condamner ta demi-sœur pour la vie. Excuse-moi, mais Fabiola a commis une imposture. Elle a volé ce testament, ce qui a complètement ruiné la vie d'Alessandro. Je sais, oui, je sais. Je sais ça, mais si ta demi-sœur est comme ça, c'est parce qu'ils l'ont séparée de moi, de sa mère quand elle était encore bébé. Ils l'ont donnée à une autre femme, une inconnue, pour qu'elle l'élève comme si elle était
Un animal! C'est pas vrai. Après ça, Anastasia est morte. Et ma fille est restée seule. Complètement seule. Elle a grandi dans un orphelinat sans recevoir ce que toi et Dimitrio avez reçu toute votre vie. L'amour de toute une famille. Le baiser du soir d'une maman. Tout ça est injuste, n'est-ce pas, mon Séraph?